world will burn. Yo les BG et les BGettes, c'est FTW Droopy, j'espère que vous allez bien, que vous êtes au top de votre forme, car moi c'est actuellement le cas. Et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de la Overpowered FR pour un petit gameplay assez sympathique. Ouais, on va dire qu'il est assez sympathique. Le gameplay c'est quoi? Le gameplay c'est une quad nucléaire réalisée par OPFR Warrose sur la map Infection à la Razorback en domination hardcore. Bon après il reste quand même en groupe de 6, mais bon maintenant on a l'habitude avec la performance française. Bref, passons sur le sujet. Le sujet ça va être quoi? Le sujet ça va être, est-ce que les world records sont bien utilisés? Voilà, vous avez sûrement vu des world records sur les chaînes de Team Performance, donc voilà, utilisés à tort et à travers. Donc maintenant on va bien situer les choses, parce que franchement moi maintenant je suis un peu désespéré niveau world record. Quand je vois certains world records, je me dis mais c'est n'importe quoi. Oui, c'est désespérant, parce qu'il faut savoir que avant tout ce qui était sur Black Ops 2 et MW3, quand il y avait un world record, et ben ça buzzait. Donc du coup les gens ils se sont mis à mettre des world records un peu partout, voilà, pour faire un peu des vues et des likes. C'est normal, voilà, quand il y a un world record c'est tout le monde est là en mode waouh, c'est impressionnant. Mais maintenant quand ils voient un world record, c'est un peu moins impressionnant parce qu'on a plus l'habitude d'en voir, et on va dire qu'ils sont un peu utilisés à tort et à travers. Voilà. Quand je vois, je vais citer un exemple, hein, mais quand je vois des world records par exemple par rapport à une arme, par exemple world record, on va dire triple nucléaire, je sais pas, à la Kuda on va dire, voilà, ça c'est pas un world record, hein, juste parce qu'il y a la Kuda, c'est pas un world record. Pour moi, un world record c'est quelque chose que personne d'autre n'a fait déjà, c'est le premier, ou un world highest, je sais pas, j'ai pas la prononciation anglaise, tu vois, mais ça veut dire en gros le plus haut Guest Rick ou les trucs dans le genre, ça c'est quelque chose que personne n'a vu, voilà. Si par exemple le gameplay est déjà vu, ou est déjà passé sur une chaîne de team, moi je trouve ça un peu inutile de mettre world record, parce que ce n'est pas nouveau. Quelque chose qui est, on va dire world record, c'est quelque chose qui est nouveau, voilà. Donc moi, voilà, ça c'est mon point de vue. Après je sais pas si c'est le vôtre, hein. Je partage tous les points de vue des gens, mais bon, moi je trouve que franchement la performance française ça part un peu en couille, parce que faut dire que avant pour grimper, on va dire que les gens ils essayaient de chercher le world record, voilà, c'était dur de le trouver le world record, et quand on l'avait, bah, on était fiers, voilà. Là maintenant t'as un world record, tu dis ouais c'est cool, voilà. Mais bon, tu sais très bien que le world record est passé sur d'autres chaînes, et que c'est, ou sinon tu sais que le world record n'a aucune utilité, voilà. C'est comme par exemple, je sais pas, par exemple un world record, par exemple nu, quand je vais citer des exemples, hein, après il n'existe pas, mais c'est pour bien montrer, pour bien appuyer mes propos, on va dire. Mais par exemple je prends le world record nuque en 90 secondes, par exemple aux pompes, voilà, au fusil à pompe. Je ne cite pas de nom de fusil à pompe car je ne m'y connais pas trop, voilà, un bout. Mais par exemple nuque en 90 secondes aux pompes, ce n'est pas un world record, voilà. Par exemple, si même s'il a jamais été fait, c'est débile, parce que faut savoir qu'il y a des nukes qui sont réalisés en moins de temps. Après peu importe l'arme, mais bon, le pompe, voilà, ce n'est pas un world record parce que c'est un pompe. Ça, ce n'est pas un world record, voilà. Donc je tenais quand même à mettre les choses au point, voilà, parce que maintenant plein de gens utilisent le world record à tort et à travers, que ce soit même dans les tags et tout ça. Enfin bon, ça part un peu en couille, moi je trouve. Donc maintenant, moi avant, quand je voyais world record dans un titre de vidéo, direct je cliquais, puis je regardais la vidéo, et voilà, ça me passionnait, hein. Quand tu voyais des world records sur MW3, bah tu disais putain, le mec il a des grosses balls, quoi, il va aller loin. Maintenant les world records c'est n'importe quoi, hein. Limite moi aussi je peux faire un world record, hein. Clairement je prends mes petits trucs, je fais allez hop, world record sur la map Fringe par exemple. Triple nucléaire, waouh. Non, pas du tout. Les world records, ça n'a rien à voir avec l'arme et la map. Après, ça peut dépendre. Si par exemple, si c'est les nouvelles armes, par exemple, tu fais une double nucléaire, ça n'a jamais été vu, ça, on peut en discuter. Mais sinon, ça n'a pas lieu d'être, voilà. Donc, je tenais quand même à préciser ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, franchement, ça m'intéresse de savoir. Après, je partage mon point de vue. Je reste quand même un peu objectif, même si j'ai un peu un point de vue subjectif. C'est plutôt mon avis. Voilà. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi, franchement, je répondrai à tout le monde dans les commentaires. Ça m'intéresse. Donc voilà. Sinon,
par rapport au world record. Donc ça marche aussi pour les world fastest, les world highest. Là je sais pas, maintenant il y a des, avant c'était juste world record, maintenant ils ont inventé des world fastest, world highest, donc les plus gros gun streak, les nukes les plus rapides. Maintenant c'est n'importe quoi, ça part en couille. T'as juste à mettre world et après tu rajoutes ce que tu veux après. Avant sur MW3 t'avais pas ça, t'avais juste world record, voilà. Par exemple ça pouvait être la nuque la plus rapide, t'avais pas world fastest, t'avais world record. Clairement les mecs, voilà, c'est comme ça que tu différenciais les teams, voilà, on va dire ça comme ça. Ou les players, ça peut être sur des chaînes, on va dire individuel, voilà. C'est comme ça que tu arrivais à différencier les gens. Et ceux qui pouvaient, par exemple, qui avaient le potentiel, voilà. Ceux qui se faisaient désirer. Donc voilà, c'était juste mon point de vue. Je poussais pas de gueulante, on va dire, parce que sinon j'aurais gueulé dans le commentaire et tout. Là je reste quand même calme, posé, on discute entre nous, tu vois. Tu prends ton petit verre, là, ton petit verre de coca, on discute tranquille, tu prends tes petites chips, voilà. Par contre, t'essayes de pas faire tomber tes chips, parce qu'après, sinon c'est ta mère qui va ramasser, hein, parce que vu que toi t'es toute cette journée devant la console, non, je déconne, le mec il commence à partir en couille. Bref, on va s'arrêter là, parce que sinon je vais commencer à partir en couille. J'espère que le commentaire il vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux. J'espère que le sujet vous a plu aussi. Franchement, j'avais envie de faire un petit débat parce que, bon, les gars, les top 10, les trucs fun, c'est bon, hein, c'est passé, les gars. Maintenant, on sort nos balls, voilà, et on montre qui on est, voilà. Là, au PFR, tu vois. Donc bref, je vais arrêter de vous prendre du temps. On est déjà à 6 minutes de commentaires. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié le commentaire. Donc comme d'habitude, lâchez un like sur la vidéo pour le gameplay et pour le commentaire. N'hésitez pas à commenter, je répondrai dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, souvent vous ne pensez pas à ça, mais partagez un max la vidéo, ça nous ferait super plaisir. Et sur ce, moi je vous laisse, c'était Droopy. Peace les frères.